Bonsoir, bonsoir l'archipel, bonsoir, merci beaucoup d'être venu, merci aux gens qui nous ont invités de nous avoir invités, merci à nous d'être venus si nombreux ce soir à cette scène avec un groupe non seulement exceptionnel mais en plus au complet. Je pense qu'on peut parler d'un événement, pour le moins. Donc on s'appelle Mendelssohn. Bon, vous entendez peut-être déjà un petit peu un petit rhume, une fin de rhume de ma part. Bon, c'est pour les gens qui viennent souvent. Je me suis dit, ça fait une nouveauté. Ils n'ont jamais encore entendu ça. C'est cadeau. Et c'est Mendelssohn. Que dire? On peut dire déjà un grand merci à Charlie qui est derrière moi, que personne ne voit, mais qui est venu de Belgique tout spécialement pour vous ce soir. Qui a renoncé à sa nationalité française. Je vous épargne de cette histoire personnelle qui ne revient pas. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Et donc, voilà, il va y avoir plus ou moins de la musique, et puis des images, et puis tout ça, ça fera un souvenir. Et on n'en est qu'au début. Voilà. Donc, je pense que je peux dire à Nicolas que c'est bon. À tout à l'heure, merci. Ah, c'est bon. Vivre longtemps dans sa tête, il perd le sens commun. Il a violé puis tué la fille, croyant lui faire du bien. L'enfant se sentait tout seul, il avait besoin d'un papa. L'homme lui a donné tout ce qu'il avait. L'enfant voulait mieux que ça. Commencez par taper la mère, sa fille ça lui faisait du bien, puis s'est mis à taper la fille, quand elle a eu son gamin. À vivre longtemps dans sa tête, il perd le sens commun, il a brûlé sa maison, sa voiture, il est parti sans rien. Quelque chose de moins que le malheur, c'est acheter une petite boîte en fer qu'il appelait sa petite sœur. Thank you.
sommes ce que nous voyons. Voyons ce que nous voulons voir. Continue sans qu'il y ait de raison. Avance dans le noir. À vivre trop longtemps dans sa tête, pas le sens commun. Il a enterré la fille. Il a gardé sa main. Il a dit, à quoi ça sert? Il a dit, mais le monde ne sert à rien. Et de toi, comment peut cette vie
le dieu de l'Espagne, est une excuse. Même je me suis cherché un truc pendant le lit. La solitude avec des amis, bien se plaît, je parle plus rien dire. C'est pas de vie pour moi, on passe. Je ne suis pas sûr de rester assez. Ça s'endormir. Je dis que ça vient de faire changer comme ça que ça ne peut plus.
ma femme m'a quitté. J'ai demandé un peu d'argent. Mon père m'a dit qu'il était vraiment désolé. Il pourrait pas même en voulant. Ma mère fait du café. Je voyais. Je suis resté dormir pendant un an. La bohème, c'est joli comme mot. D'autres mots, elle est là sans qu'on y pense, même elle est là même en jouissant. Comme si c'était sa faute. Comme si quelque part il était responsable. Comme si c'était vraiment la honte pour lui-même, et je vois qu'il a honte pour sa mère, et je vois qu'il a honte pour moi, mais ça n'a jamais rien servi à personne que je le vois.
platane. Il n'ose rien. On reste là. Si à force, je croirais moi-même. Je le regarde et je vois qu'il a confiance. Ce mot, tu as confiance en moi. Je vois bien que c'est mon fils. Je vois bien que je suis pas fier. Je regarde en biais. Je me dis, j'ai jamais aimé dimanche. Tout de suite avec une chanson qui s'appelle Pinto. Il y avait comme un bruit parasite. Il y a encore là, c'est ça? Jean-Jacques, t'as l'air très très paniqué. Tout va bien? Je sais pas. Donc c'est une chanson qui s'appelle Pinto.
tous les matins, touche le sommeil. Sans un mot, je suis vraiment bien. Tu peux ton loyer les trois quarts de ton salaire. L'arrivée, le peu qui reste, ça passe dans l'essence, le découvert. Ce qu'elle prend pour ses petites affaires. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. La première fois que je l'ai vue devant son immeuble, je ne pouvais pas croire qu'elle était vraie. Maintenant, quand elle me parle, des fois elle sait. Je préfère plutôt me taper moi-même sur la gueule. Je trouvais la place ici il y a 2 ans. Je suis derrière le service militaire. Je l'ai rencontrée, j'ai mangé avec sa mère. Elle m'a pris le crédit 2 semaines après. Quand j'arrive à 8h avec les collègues, Monsieur Pinto, Monsieur Cébolon, se change dans les vestiaires, puis rapporter au bureau. Monsieur Cébolo, il a fait 8 ans à l'Angola. Ça a laissé comme un trou dans son cerveau. Et quand il est revenu après ça, vous ne pouvez plus supporter d'entendre quoi que ce soit. Monsieur Pinto, lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Le pays, sa famille était propriétaire. Mais lui et son frère, ils ne s'entendaient pas. Vers la nuit où son père est mort à la ferme, sa mère lui a dit de partir. Il a fait un paquet de ses affaires. Elle est venue dans sa chambre. Elle lui a donné la moitié de son porte-monnaie. Monsieur Pinto, quand je l'imagine à 20 ans, il a toujours sa table de maintenant. Sa femme est morte l'année dernière. Ça faisait 3 ans seulement qu'ils se connaissaient. Ils disent, quand on a fait l'école comme moi, on pourra faire autre chose. On va faire pas faire autre chose que ça.
Merci beaucoup. On va enchaîner immédiatement par une chose qui s'appelle J'aime pas les gens. Et je crois que voilà, c'est à peu près tout. Et donc, c'est bon, voilà. J'aime pas la nouvelle chanson française, j'aime pas la mélodie, j'aime pas les mots.
C'est Jean-Louis qui arrive à son heure habituelle. Bravo Jean-Louis. Thank you.
juin. Avec la musique. Maison.
Merci beaucoup. On va enchaîner immédiatement, à un moment, vous allez voir à quel moment, je pense, par une autre chanson qui s'appelle « Personne ne le fera pour nous ». D'habitude, j'ai plein de choses à dire. Et puis là, pour ceux qui sont venus souvent, j'ai envie de pas dire grand-chose. Comme ça, ça fait une nouveauté. Comme ça, c'est cadeau, quoi. On enchaîne, quoi. Carré. Dans un instant. C'est pas grave parce que je sais pas parler.
Merci beaucoup. C'était presque ça, la chanson. Hein? Si vous voulez entendre l'original, elle est sur l'album du même nom. Peut-être pour la prochaine fois faire une comparaison. Ça, vous restez actif, bien que spectateur. Actif, bien que spectateur. Des fois, c'est difficile. Moi-même, quand je vais au concert des collègues, j'ai du mal à rester actif tout en étant spectateur. Oui. À propos de collègues, mais sans que c'est un lien entre ce que je viens de dire et ce que je vais dire, rester actif. Qu'est-ce qui nous fait le son ce soir? C'est Jean-Jacques Nissen. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est une star qui fait le son pour un événement. Remarquez, c'est un peu normal. Voilà, donc merci Jean-Jacques. Merci beaucoup. On va enchaîner immédiatement, actif nous-mêmes, et par une chanson qui s'appelle Crétin, et que bah, je m'auto-dédicace à moi-même. J'aime pas les gens, c'était pour vous. Crétin, c'est pour moi. De moi-même, de moi-même, de moi-même. Des fois,
plus rien. Ici mourut moi crétin qui pendant sa vie, sa vie, sa vie ne fut rien. Des fois, mais c'est rare. Comme une espèce de joie bizarre qui vient de nulle part et que je ne comprends pas. Un temps, un moment, et puis elle s'en va. Comme si j'existais pas.
Plus,
comme une vieille éponge.
c'est la dernière fois qu'on fera le spectacle avec ces images là auxquelles on s'était quand même bien habitué depuis 2 ans. C'est un peu des amis qui nous quittent ce soir, presque, peut-être mieux que des amis des fois, parce que les amis c'est pas, c'est un peu, donc les images, il n'y a pas de problème quoi. Bon, une image, vous la prenez, vous en faites ce que vous voulez, quoi. Vous lui donnez rendez-vous, bon, elle vient quoi. De cette petite pause pour donc dire une dernière fois merci à Nicolas pour tout le travail qu'il a fait avec nous là, sur le montage, la collection, le travail d'orfèvre que ça a représenté. Voilà, en plus c'est mon frère, donc il me supporte depuis un nombre d'années. C'était Charlie à l'orgue. Jean-Michel Dedeau et au bruit. Sylvain à la batterie. Pierre-Yves à la guitare. Madame, tout ça, c'est Madelson. Et c'est vous aussi, Madelson, tout ça, tout le monde est Madelson. Ce n'est qu'un au revoir, comme dit Charlie. On pourrait faire une chanson qui s'appelle Barbara, 1983. Ouais, si j'y arrive. Sinon, elle est sur le disque. Et puis, après, il y aura une chanson qui s'appelle Scanner. Et puis après, ce sera la fin. Donc, voilà, c'était un peu notre appel à nous. Ça, on s'épargne tout le... Voilà, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Pourquoi pas. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas été mauvais. J'ai envie de vous réembaucher la prochaine fois. Donc, voilà, n'hésitez pas. Merci. Nicolas, c'est quand tu veux. C'est toi qui décides.
Fausse vie qu'on subit. Les souvenirs, c'est comme les films Super 8. Ça a comme sa propre vitesse pour ralentir la machine. Peur de brûler ce qui reste, faut prendre ça comme ça vient. Je regarde, je profite, je revois mes amis, je me revois là, à ce coin. C'est fou ce que je suis petit, c'est fou ce que je rigole, c'est fou ce que je rigole pour n'importe quoi. Ma mère, les sols, l'année, m'appelle, moi je souris quand elle me voit. Elle me dit peut-être qu'elle n'aime pas trop mes amis, mais c'est pas grave, plus tard on ira quand même ensemble mettre des pétards mammouth. Marcher dans les roses rouges du concierge, faire du skateboard dans la descente, jusqu'au virage, je suis surpris de ne pas être mort, au moins une fois. 1982, j'étais si amoureux, j'étais si content d'être malheureux, je crois que ça finirait pas. C'est fini tout seul, bien sûr, 1982. Regardèrent, restèrent là. J'aimais sa mère aussi un peu, je crois. J'étendais devant sa porte, je restais dans l'escalier, j'appuyais la minuterie jusqu'à ce que je parte en courant, jusqu'à ce que de l'autre côté j'entende ta voix. Il y a eu d'autres filles plus tard, j'ai jamais compris ce qu'elles pouvaient me voir, que toi tu ne voyais pas, je n'avais rien compris, maman. Je devais vous faire des fleurs. Je te filais mes devoirs, je te regardais les mains, les cheveux, j'ai voulu toucher ton bras et ton cou, et l'endroit où il n'y avait rien sur ta poitrine. J'y pensais la nuit, j'y pensais le jour, je pensais plus jamais rien que ça. Tout le monde savait que je t'aimais, tout le monde disait que je t'aimais. Je prenais l'air malheureux pour te faire honte. On se défend comme on peut, tu sais. Je fais toujours comme ça. Je revois les voisins d'à côté, qui étaient nos pauvres, ça rassure dans un monde compliqué, on est toujours plus pauvre que soi, qui ma mère a donné. La collection de pif et encore nos vieux vêtements, nos jouets, qui avaient un chien plus grand que je croyais que c'était possible, qui dormait dans leur baignoire. Leur père faisait du cyclisme, un peu d'alcoolisme. Sylvie, leur fille, qui était bizarre, on disait qu'elle était en retard. Ma mère disait qu'ils n'avaient pas eu de chance. Je disais qu'il sentait pas bon. Ma mère disait qu'elle avait honte. Je puisse dire une chose comme ça. Ils habitaient face aux hippies. Entre eux, ils s'aimaient pas. Les hippies étaient jeunes et beaux. Ce qui me semblait, c'était plus propre chez eux. Plus chiant aussi un peu. Ma mère essayait de les aimer. Elle avait besoin d'amis. Elle disait qu'ils étaient sympas. Sympas. Ils avaient des tentures au mur indienne, des tapis incas. S'écoutaient de la musique étrange, buvaient du thé, revenaient de voyage, étaient bronzés, c'était une autre vie que moi. Ma mère essayait bien d'être à l'aise, mais il me semblait que ça marchait pas. Je me revois avec mon père, distribuer les dimanches de porte en porte l'humanité. Je vois les voisins plus riches, des collègues à maman qui vivaient dans les petits pavillons plus chics. La lutte des classes, c'est un jardin. Chambre pour chacun. Cheminée dans le grand salon, voiture neuve, frigo plein, des vacances. Été, hiver. Les chouettes habits,
Je revois le crépi dans notre appart. Mon père qui partait au cours du soir. Il y avait le Guernica dans l'entrée. Sur les murs, peut-être un dessin de Folon. Plus un de moi, une poupée qu'elle avait ramenée pour leur retraite. Le voyage, mes grands-parents. Le voyage à l'étranger. Il y avait l'affiche d'une ronde de petits chinois, Buster Keaton, qui s'en y a jamais. Tous les jours, je le regardais, je le fixais. Peut-être c'est lui qui sait. Je voulais comprendre pourquoi. Et la chambre et le Christ au-dessus du lit de ma petite sœur, qui était une histoire dans la famille que je comprenais pas. Et tout ça se mélange, et la tristesse de maman, et le bruit des gens qui jouaient au boule devant les soirs d'été, quand on se couchait avant le soleil rouge qu'on devinait, avec mon frère derrière le rideau des filets superposés. On rentrait à 6h pour le bain du soir. On évitait la malade du bal à cité, qui avait notre âge et qui crachait sur tout le monde, et qui se promenait tous les soirs pareil. Avec son père, on disait la mongolienne qui faisait peur et puis la peine à l'époque. J'ai du tout pleuré, je pleurais pour rien, pour la voiture qu'on changeait, pour un nouveau papier peint, et puis je restais des heures dans la cage d'escalier, à monter les étages d'envie, de l'autre côté de la rambarde, avec toujours la peur et l'envie que quelqu'un vienne me surprendre en train de. À l'époque, j'aurais pas choisi. Là, sa famille était moins drôle, son père était arbitre, j'ai jamais vu en dehors chez lui. Sa mère paraissait immense, pas très facile. Et puis son père avait le frère avec la plus grande collection de comics que j'ai jamais vu de la vie. Que des Marvel et des Strange qu'on lisait dans sa chambre, on s'échangeait moi et lui. Après le soir, au fond de mon lit, j'avais un laser, si je me concentrais, qui me sortait par les yeux. Je pouvais tuer des gens, j'étais un dieu, et je m'endormais comme ça content, j'étais heureux. J'écoutais le bruit des mobiles dans le vent, j'écoutais la respiration de mon frère, j'écoutais le bruit des amants de ma mère, elle attendait toujours un peu mon père, je savais moi aussi qu'il allait rentrer un jour sûrement, que ça pourrait pas être autrement. Le matin, à l'école, on racontait toujours des trucs incroyables avec un mec. À un moment, à la fille, il fait tout, ah oui, tout fait quoi. On se montrait un peu fermé, le creux de nos bras paraissait que les filles en dedans, au milieu. C'était comme ça, et moi toujours, toujours, je voulais que tout le monde m'aime. J'avais tel besoin d'amour, qu'il aurait fallu tout l'amour de la terre, que ça faisait encore pas beaucoup. Moi, je me sens enfin à l'aise, me faire aimer de la boulangère. Les gens qui passent dans la rue, me faire aimer toutes les grand-mères. J'aurais demandé de l'amour à une clochard. Toutes ces histoires d'enfants perdus qu'on retrouve pas. Les enfants, leurs problèmes. Ceux qui sont pas regardants. Comme ce qu'il y a, je le sais, moi. Je t'aime. Comme ça. Je me souviens encore. Mon voisin Johnny. Qui était nerveux, je crois qu'elle m'a dit que fallait pas. La peine, plus tard, est-ce qu'on m'a dit qu'il fallait des trucs graves. Dans les mêmes cages d'escalier, on mangeait nos chocolats. On se tenait contre le chauffage, les jours d'hiver où il neigeait. Il y avait une bataille de neige géante dans tout le quartier, on se partageait les gants. On attaquait en rincer, il fallait prendre tout le côté droit des immeubles de piste de la cité. J'ai laissé de notre chien, on serait fait prendre pour lui, on avait la fidélité. On mettait des cailloux, des canons, des lits dans la neige, au milieu du monde, tout ce qu'on pouvait trouver, je me rappelle. La tête du mec d'en face, je revenais pas. Je croyais qu'on allait bien me chercher. J'attendais la police de nuit, j'entendais tous les pas de rien dans l'escalier. Mais je me souviens, la dernière nuit, avant qu'on parte, j'ai senti le monde disparaître au-dedans de moi. Je regardais les valises déjà faites. J'ai commencé tôt la nostalgie. J'étais déjà tellement doué pour ça, tout petit. Et je me souviens encore d'un jour. La fille de la voisine que j'aimais pas. Je ne sais pas tout ce qu'il y avait à voir, moi j'imaginais. Je suis mon frère moi aussi. Elle voulait que je dise que je l'aime. On me courait après dans les couloirs. Je disais que tôt je n'ai plus tant de moi. D'accord. Barbara.
Jérôme aussi, cassé par ma soeur et ses filles, et maman et mon petit frère, ma petite soeur, et même mon père qui revenait pas, je les aimais tous, je les aimais tous à l'époque, tous ces gens-là, et Johnny ici, même Sylvie qui était en retard, je les aimais tous, mais donc on fait la dernière chanson, ça va. Greg qui fait la régie, pas de problème, c'est super. Elle fait 25 minutes, hein. Pas de problème. Bon, on va la faire courte. Merci beaucoup, merci d'être venu, merci d'être resté, merci d'exister. C'est donc une chanson qui s'appelle Scanner et donc c'était Mendelssohn et merci, à bientôt. Figurant un tout.
ça ne va pas si mal. Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va? Est-ce que tu te sens bien, moi, ça ne va pas si mal? Est-ce que tu te sens bien, moi, ça va? Thank you.
Merci beaucoup. Merci.